La guerre déclenchée par Vladimir Poutine il y a 2 ans a causé des centaines de milliers de morts. Ses conséquences sont terribles au-delà de la zone de conflit. Les politiques agricoles néolibérales de l'OMC, mises en place à partir du milieu des années 90, sont un échec. Elles n'ont pas permis de réduire le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde. La promesse de sécurité alimentaire, basée sur un commerce mondialisé, de produits agricoles, dominés par de puissantes multinationales, ne fonctionne pas. Ayons le courage de le reconnaître. L'Union européenne, en multipliant de nombreux accords commerciaux bilatéraux, sape le système multilatéral qu'elle a contribué à mettre en place. Je ne suis pas contre le commerce, mais j'estime que l'OMC est à bout de souffle. Le temps est venu de construire la souveraineté alimentaire de l'Europe comme l'a proposé la Via Campesina dès 1996. Nous devons aider les autres régions du monde à faire les mêmes choses si elles le souhaitent. L'Europe doit arriver à Abu Dhabi avec une proposition alternative de régulation du commerce mondial basée non pas sur la concurrence mais sur la solidarité et le respect des droits humains et environnementaux. Merci beaucoup.